Dans le cadre des activités du PRCCE, le 14 octobre, des tables rondes ont été lancées à travers tout le pays. Une chaîne de valeur, en fait, c'est l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce secteur. Alors, on a des opérateurs qui touchent le produit et qui vont le produire, qui vont le cultiver, qui vont le transformer, qui vont le transporter, qui vont le vendre. En plus de ces opérateurs qui touchent le produit, on a toute une série d'acteurs qui vont avoir un impact sur la chaîne de valeur, mais qui ne touchent pas le produit. Ce sont par exemple les services, tout ce qui est services aux entreprises, donc je pense aux services financiers, les assurances, mais ça peut être aussi la recherche, ça peut être les médias pour le transfert d'informations, ça peut être aussi tout ce qui est packaging, tout ce qui est marketing. Voilà, tous ces éléments sont essentiels à une chaîne de valeur. Au-delà des tables rondes, le représentant de l'ordonnateur national présente ici, d'une manière globale, l'ensemble des activités du PRCCE. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise. Et il s'articule de trois composantes. La première qui est un appui direct au secteur privé, les entreprises sont accompagnées dans le cadre d'un développement durable. La deuxième composante traite de l'amélioration du climat des affaires. Et la troisième va axer sur les négociations commerciales. Assurer de l'interaction et la mutualisation entre les entreprises d'une même filière permettra de conquérir des marchés, partager les risques, partager les coûts ou encore rationaliser les processus d'approvisionnement et de vente.